Bonjour mes petits cuistots. Aujourd'hui, on va préparer une délicieuse soupe et ses petits moutons à croquer. Enfile ton tablier, c'est parti. Et je vais faire 3 boules. On commence par les pains moutons. Attrape ta pâte à pain et roule-la dans tes mains pour former des boulettes de différentes tailles. Pour l'instant, tout roule comme sur des boulettes, chef Maurice. Je fais comme ça, avec les deux mains. Voilà, j'en fais plein. On va maintenant garnir les petits cubes de fromage. Et je vais la poser sur ma plaque de cuisson. Je fais la même chose. Superpose tes boulettes de pain garnies de fromage sur ta plaque de cuisson pour former le corps de tes petits moutons. Ils sont tout mignons avec leur belle laine toute frisée. Ensuite, je pose bien sûr leur tête. J'envoie au four, préchauffé à 180 degrés pendant un petit quart d'heure. On continue avec une délicieuse soupe aux légumes verts. Berk ! Mais non Elvis, ne fais pas la soupe à la grimace. En plus d'être bon pour la santé, ces petits légumes ont plusieurs super pouvoirs. Des super pouvoirs ? Eh oui ! Ces feuilles d'épinards, par exemple, sont excellentes pour la mémoire. Tu peux aussi utiliser leur jus pour colorer tes pâtes à pain et créer de petits moutons verts. Alors ça, je ne risque pas de l'oublier. Je verse 1 litre d'eau. Voilà, j'ai mis tous les ingrédients. Je mets mon couvercle. On va laisser la cuisson. Après la cuisson, j'ai attendu un peu pour pas que je me brûle. Je vais verser dans le blender. On va verser toute la préparation dedans. Je ferme et on va poser sur l'appareil et redémarrer. J'ai fini de mixer ma soupe. On va servir dans les petits bols. 3 bols pour les 3 petits cochons, moutons. Alors Elvis, je vois que tu as hâte de goûter la soupe. Ça tombe bien, c'est bientôt l'heure du repas. Ensuite, je vais préparer le mélange de crème liquide et crème épaisse. On va la garder pour décorer ma soupe. Je vais utiliser la crème de balsamique pour faire des traits. Suis chef Chica pour dessiner tes fleurs et leurs pétales blanches sur tes soupes. Les moutons vont les aimer un peu, beaucoup, à la folie. J'ai fini de faire mes pétales. Ensuite, je vais terminer à faire les points jaunes avec la crème au curcuma. Elles sont prêtes pour servir. On va passer à la dégustation. Un mouton qui est passé au four. Je vais donner son petit nez, son œil. Je pose son deuxième œil. Voilà les 3 moutons. On va venir poser notre bol de soupe. Bravo! Tes petits moutons adorent leur prairie! À la soupe, petit cuistot!